On parle d'amour, mais ce mot amour, il est conditionné, il est galvaudé, il ne veut plus dire grand-chose. Alors c'est quoi cet amour? Ce moment inconditionnel. Nous savons c'est quoi aimer. C'est quand on a quelque chose qui nous est profitable. On aime bien ça. Mais est-ce ça l'amour? Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on considère l'amour. Quand on a quelque chose, quand on a un sentiment agréable, quand quelqu'un nous procure un sentiment favorable. Donc, on l'aime. Mais est-ce que c'est ça vraiment? Parce que ça voudrait dire que cet amour est conditionnel, elle est dépendante de ce qui arrivera, de ce qui se passera, de ce que l'autre apportera. Mais l'amour n'a pas de but. L'amour n'a pas d'objet, l'amour aime, tout simplement, sans que il y ait quelque chose qui doit arriver ou pas, que la situation est favorable ou pas. L'amour aime. L'amour, c'est aimer les oiseaux, le ciel, les étoiles, et puis en être émerveillé. Alors là, il y a un sentiment profond où celui qui veut, celui qui attend quelque chose est absent. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'on aime? Est-ce que nous savons c'est quoi aimer dans ce monde? Nous aimons très peu. On dit je t'aime, oui, mais à condition. Et en fait, on attend quelque chose. On attend d'être aimé. Et ce sentiment qui est incommensurable, qui est inconditionnel, ne peut pas se montrer à ce moment-là. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. Soit tu aimes avec condition et c'est celui qui propose la condition qui sera le jouisseur de cet amour. Ou soit tu aimes sans condition et celui qui reçoit l'amour est un don gratuit. Gratuit, ni même de toi, puisque l'amour n'est pas ce que le moi est, ce que la proposition de ce que la pensée propose. L'amour ne fait pas partie de ça. L'amour est au-delà de tout ce qui peut être pensé. Parce que dès qu'il y a une pensée, cet amour, elle s'en va. Elle n'est plus là. Parce que la pensée, c'est justement le mécanisme de la psyché. Et quand il y a ce mécanisme qui est présent, l'amour ne peut pas être là. Il n'y a que le passé qui existe. Et l'amour, c'est quelque chose qui se trouve dans le moment où tout se passe. Là, maintenant, quand tout est laissé derrière, quand il n'y a plus rien sur quoi s'appuyer, alors cet amour est fulgurant. Elle donne l'ambiance pour que les choses soient en ordre. Il n'y a plus de rivalité parce que il n'y a rien qui est attendu de l'autre. Parce que quand on donne de l'amour par intérêt, alors l'autre, il se retrouve piégé. Parce que il doit aussi faire quelque chose pour que tu puisses, toi, être satisfait. Et donc, à ce moment-là, il y a de la corruption. Nous sommes dans un monde corrompu parce que nous attendons de l'autre ce que nous aimerions avoir. Et nous faisons tout pour que l'autre puisse nous produire ça. Ce moment affectif. Ce plaisir d'être reconnu par l'autre, tout ça.
Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amour. On croit que c'est ça, être aimé. Mais qu'est-ce qui est aimé à ce moment-là? N'est-ce pas le personnage? N'est-ce pas ce que on sait du personnage? Le personnage, le caractère, tout ça, on aime. On veut l'accueillir. Mais ce personnage n'est pas toi. Et ce que tu es, c'est justement cet amour sans fin, cet amour sans condition. Tu peux l'exprimer de ton fort intérieur. Ton expression la plus sincère, c'est de faire en sorte que tout ce que tu donnes n'a pas la connotation de ce que la pensée propose. Et la pensée propose un intérêt. Donc, tout ce que tu peux faire dans ce monde, s'il y a quelque chose qui est voulu par moi, alors il n'y a pas d'amour. Il y a juste de l'intérêt. Et que nous assimilons depuis des décennies, comme si c'était normal, c'était ça l'amour. Mais en fait, il n'y a pas ce sentiment profond où règne la paix. Dans ce sentiment d'amour, il y a aussi le désamour. Il y a les divorces. Parce que tu n'as pas été au goût de comment j'ai voulu être. Donc, tout ça, ça fait de la relation en conflit. Et nous sommes, pour la plupart, confrontés à ces aléas de la vie, à ces hauts et ces bas. Aujourd'hui, on aime, demain, on n'aime plus, parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a froissé, qui m'a trahi. Mais qui a été trahi? C'est ce personnage, ce caractère dans lequel on s'est forgé et on croit être cela. On s'est identifié à ce personnage. On s'est dit, si je suis ce personnage, alors je suis important. Je me donne de l'importance. Et tout ça, c'est de l'apparence. L'apparence que l'on se donne les uns envers les autres pour s'attirer du réconfort, du plaisir. Et tu vois, c'est un vol, en fait. On se vole l'énergie des uns et des autres pour pouvoir exister. Et l'énergie qu'on reçoit, on appelle ça de l'amour. Mais c'est l'énergie de l'autre. C'est pas quelque chose qui vient du plus profond de toi. Oh, ce qui vient du plus profond de toi, cette énergie, c'est de première main. Et c'est toi qui peux contrôler ça. Là-bas, tu peux pas le contrôler. Il va être bien un jour, demain, il faudra encore le contrôler. Il faudra le mesurer, le cadrer, l'obliger à être ce que ton désir demande. Donc tu attends que l'autre assouvit ton désir. Et là, il y a un problème. Mais ce que toi tu es, cet amour qui est en toi, cette énergie que tu as, tu es le seul qui soit capable de le faire naître comme tu veux. Alors tu es maître de toi-même. Mais tu ne peux pas être maître de celui qui vient te donner un peu de caresse. Ça n'existe pas. Il sera ton esclave, c'est tout. Et c'est pour ça que l'amour est très méconnu. Parce que chacun d'entre nous attend de l'autre quelque chose. Et c'est renoncer à la vie qu'on aimerait avoir à travers ce que l'autre donne est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que déjà, tu vas rendre l'autre libre. Il sera libre. Il ne sera pas obligé de te faire plaisir, même s'il n'a pas envie, il te fait plaisir, parce que bon, c'est la coutume, ça a été arrangé comme ça a été décidé comme ça, et tout ça devient monotone, parce que c'est pas, il n'y a pas l'étincelle directe, il n'y a pas le vivant qui est là. Le vivant, c'est quand il y a quelque chose de libre. Libre et
il va émerger. De toute façon, parce que c'est sa nature. L'amour, c'est quelque chose qui se propulse vers l'extérieur pour donner de l'ambiance à la relation. Une ambiance d'union, pas une ambiance de raillerie, de désillusion, d'insatisfaction, mais une ambiance qui fait en sorte que tout le monde est libre et que personne ne prend quelque chose de l'autre. On n'attend rien. Alors, la vie devient possible entre deux, parce que personne n'est bousculé par la demande de l'autre. On ne se sent pas dans l'obligation d'être celui qui va donner à l'autre son rêve. Le rêve de l'autre, ça lui appartient, son désir, c'est le sien. Mais tu n'es pas obligé d'être esclave de ce désir. Alors, vivre la vie dans l'instant où elle se passe, c'est accepter de ne pas devoir faire quelque chose pour celui qui te dit t'aimer. Tu vois, ça c'est de l'arnaque relationnelle. Quand quelqu'un te dit tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi, je t'aime beaucoup et regarde comment tu es. Ça, c'est de l'arnaque relationnelle. Ça veut dire que tu es celui qui doit obéir. Tu dois faire des choses parce que, tu vois, on a décrété comme ça. Et maintenant, tu es esclave. Alors, quand tu te libères de ça, il y a une grande joie. Parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour faire en sorte que les autres soient contents. Tu n'as pas besoin de t'activer tout le temps à faire plaisir à quelqu'un. Parce que ça, c'est une grande tracasserie de toujours vouloir que l'autre soit content de toi. Parce que tu as peur de ne plus avoir son amitié, sa faveur. Donc tu fais plaisir et en fait tu oublies d'être toi-même. Mais ce que tu es, c'est cet amour qui demande rien, qui n'attend rien, qui donne sans condition. Et ça, ce mouvement harmonieux se trouve en soi. Quand tu es en dehors de la dualité de comment tu aimerais être pour faire plaisir, alors il y a ce moment d'harmonie où il n'y a plus la vie que tu aimerais avoir et ce que tu es. Ce que tu es cool. La vie que tu aimerais avoir, ce n'est que ton désir. Un désir qui vient de tes imaginations, tes envies, ton idéal que tu as créé. Mais il n'y a pas d'idéal. L'idéal, c'est créé dans ta tête, mais ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu vas toujours vouloir courir derrière pour gagner un sentiment de bonheur. Mais à la fin, quand tu vas arriver à tes fins, ben, tu vas savoir que tout ça, c'est insatisfaisant, c'est éphémère. Ça vient, ça repart, et tu dois toujours encore travailler dessus pour pouvoir les garder en vie. Ça veut dire que tu es libre quand tu n'as plus besoin de faire tout ça. Ça veut dire que tu es joyeux parce que toute la tracasserie qu'il y a à faire ça, ça te mine. Et quand tu as goûté à cette liberté, alors tu vas faire de ça ta dévotion. Tu seras dévoué à vouloir faire en sorte que cet amour soit en premier dans ta vie, quelque chose de super important. Cet état d'esprit où tu ne demandes rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, va devenir pour toi
quelque chose de sacré. Parce que tu vas t'appuyer sur ce que la vie elle est, les fondations de ce que la vie elle est, tu vas t'accrocher dedans. Et c'est ça les fondations de la vie. Mais toute cette histoire de vouloir gagner, de tout ça, ça a été inventé. C'est un programme, c'est quelque chose qui t'a refourgué par les générations d'avant. Et tu répètes cela. Et c'est pour ça que nous les humains, on est dans une confusion totale. On a des hauts et des bas. On est yo-yo. Et en fait, de ce fait, on souffre. Parce qu'on n'est pas vrai. Être soi-même, c'est laisser être ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, eh bien, c'est la vie. La vie, et cette vie, elle se propulse en dehors de toi, partout où tu vas, tu donnes l'ambiance à la relation.